dans le troisième épisode de des petits podcasts que nous réalisons cette année avec grand plaisir en compagnie de Neoma Business School. Je suis très contente d'animer ces petites sessions d'échange entre différents représentants de cette école et je suis particulièrement contente aujourd'hui parce qu'on est en compagnie de Sylvie Jean qui pilote le programme Grande École depuis maintenant deux ans. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cet entretien. C'est un podcast en fait qui permet aux admissibles 2019 de découvrir la famille Neoma Business School et vous en êtes une éminente représentante en tant que directrice du programme qu'ils se destinent à intégrer. Donc on avait envie de les aider à vous découvrir de manière un petit peu différente en vous posant des questions sur ce qu'est votre quotidien de directrice. Et la première qu'on s'est posée, c'était de savoir comment on accède finalement à ce type de métier. Alors, en ce qui me concerne, j'y ai accédé après une solide formation sur le plan académique, puisque je suis docteur en sciences de gestion et j'ai démarré ma carrière en étant professeur de marketing. Ça m'a donné l'occasion, bien sûr, d'enseigner énormément, d'écrire aussi, de faire de la recherche. Et puis, j'ai eu très vite le goût pour le management de projets dans différents domaines. J'ai par exemple dirigé dans une autre école les admissions, mais aussi j'ai géré des programmes ou des parties de programmes tels que Master of Science. Et donc j'ai cumulé dans le temps diverses expériences managériales et c'est grâce à cette variété de responsabilités et de gestion de projet que j'ai sauté le pas et j'ai eu envie de diriger un programme grande école, si je puis dire, de A jusqu'à Z. Qu'est-ce qui vous passionne le plus aujourd'hui dans le métier que vous exercez et est-ce que vous seriez vu faire autre chose? Alors, c'est pas qu'aujourd'hui, je pense que j'ai d'abord eu envie d'aller vers l'enseignement parce que je suis passionnée de transformation. Alors la transformation du monde déjà, mais aussi et surtout des personnes. Et je trouve que le métier, pour moi en tout cas de professeur, c'est d'accompagner la transformation des jeunes gens qui sont en classe préparatoire ou plus tard dans leurs études supérieures et une transformation qui les conduit vers le meilleur pour eux. On vit dans un monde très anxiogène, mais c'est vieux comme la nuit des temps. Hein. Le monde projette beaucoup d'images négatives, de catastrophes. Enfin, on ne fait pas que les projeter, d'ailleurs, on les vit depuis des siècles. Oui. Et je trouve que ce qui est très important, c'est de participer à la transformation du monde et surtout de participer à la transformation de celles et ceux qui vont porter les transformations de ce monde. Donc pour moi, ce mot, il est présent depuis que j'ai moi-même démarré mes études supérieures et il m'a toujours accompagnée et c'est ce qui structure mes envies, mes projets. On y reviendra sur la toute dernière question que j'ai à vous poser. Mais d'abord, je voudrais, si c'est possible pour vous, que vous partagiez un morceau de votre agenda, votre emploi du temps. Alors, mon emploi du temps est très variable parce que j'ai horreur de la monotonie. Et à Neoma, je suis comblée parce que déjà, avec deux campus où je tiens vraiment à être très présente de manière très équitable chaque semaine. Donc Reims et Rouen. Donc j'habite Paris, donc ça me permet de me rendre sur les deux campus de manière très confortable. Donc déjà ça rythme, on va dire, mes semaines. Et mon quotidien, il est très variable. Je peux avoir beaucoup de déplacements en France, par exemple, pour rendre visite à des élèves en classe préparatoire, mais aussi voir nos partenaires, les rencontrer, faire évoluer nos partenariats en France, mais aussi à l'international. J'étais par exemple en février dernier en Colombie, à Bogota, pour fixer de nouveaux partenariats. Et donc, c'est des semaines un peu exceptionnelles, mais faites de voyages. Mais c'est important parce que c'est aussi
une façon de nouer des liens, de développer des, bah, derrière, des projets. Derrière, ça donne du concret pour les étudiants, en fait. Tout à fait, parce que je reviens avec beaucoup d'exemples, beaucoup de choses à partager avec eux, donc c'est essentiel. Est-ce que vous avez des collègues de travail que vous voyez très régulièrement, plus que d'autres, avec qui vous travaillez tous Alors, les jours dans l'école ? D'abord, les professeurs, parce que je suis toujours dans l'âme profondément un professeur. Donc, c'est vraiment les personnes avec qui je suis le plus en collaboration, mais pas que. Ça, c'est un petit peu à la fois la richesse et la difficulté de mon métier. C'est que je dois aussi énormément collaborer avec toutes les parties prenantes de l'école, les équipes des relations internationales, mais aussi les équipes concours, promotion, marketing, même si étant moi-même professeur de marketing, j'ai un regard aussi parfois très critique, peut-être un peu trop, sur la façon dont les écoles font du marketing dans le cadre de leur programme. Mais les professeurs, et puis plus généralement, avant tout et surtout, les étudiants. Les étudiants, ouais. J'allais y venir justement. Est-ce que vous les voyez beaucoup ? Est-ce qu'il est important pour vous d'avoir une proximité, une grande proximité avec eux ? Oui, alors pour moi, c'est jamais assez. Ok. Et ce qui est très frustrant, c'est que je ne les ai jamais toujours ensemble. Ça, c'est une des difficultés d'une école multicampus, et d'avoir ces étudiants répartis, là pour le coup sur deux campus, et comme je n'aime pas cette contrainte, je la contourne et j'organise très souvent des rencontres entre mes étudiants de Reims et de Rouen. Par exemple, j'ai fait venir les délégués de première année à Reims et réciproquement à Rouen. Je déménage souvent mes étudiants du parcours associatif avec des séminaires, parce que j'ai à cœur qu'ils vivent l'école pleinement et globalement, parce que ce sont peut-être deux campus, mais à 300 km de distance. Et c'est presque rien. Finalement. C'est presque rien, et d'où ma frustration de ne jamais avoir tout le monde ensemble. Donc c'est important pour moi d'être en interaction permanente. Ils savent que je suis facilement accessible. Et je leur dis, quand vous me croisez dans un TGV ou un bus, ou n'hésitez pas. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce que c'est assez spontané dans leur génération. Et j'apprécie énormément. Et ils savent qu'ils ne me dérangent jamais, même si parfois, selon s'ils sont timides ou pas, ils hésitent un petit peu. Je saisis la moindre occasion pour échanger avec eux. Dans mes échanges, dans ceux que j'ai avec les étudiants de Neoma, c'est aussi ce qui revient beaucoup. Voilà, je vous le dis comme ça. C'est vrai qu'on parle de vous, et ils me disent tous que vraiment, s'il y a une question, un souci, un point à aborder avec vous, Alors après, j'ai des équipes sur les deux campus qui me permettent de... s'ils ont des questions spécifiques, je relais. Mais vraiment, dès que c'est possible pour moi, mais même à brûle-pourpoint, dans notre quotidien, je tiens vraiment à ce qu'ils se sentent à l'aise. Et parfois, ils me confient des choses pas très personnelles ou plus délicates, parce qu'ils ont un petit point d'insatisfaction. Mais comme je le leur dis, il n'y a pas de sujet interdit ou délicat. Je préfère qu'on se parle en toute transparence. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour leur faire plaisir à tout bout de champ, mais en tout cas, si je peux me nourrir en tout cas de leur perception, de leurs suggestions, je le fais. C'est aussi ce qui se passe dans une famille. Alors, comme je leur dis, avec des hauts et des bas, il y a des moments où la famille se porte bien parce que tout va bien, etc. Et des moments où il y a des petits sujets qui chagrinent. À la limite, pour moi, je prends ce qui vient. J'essaye de prendre à la fois de la distance, parce que, encore une fois, je ne suis pas là que pour leur faire plaisir.
Mais j'ai toujours, encore une fois, ce souci de la transformation qui fait que dès que je peux saisir une idée facilement exécutable et qui puisse se mettre en œuvre assez facilement, je le fais. Et ça me rend très, très joyeuse de voir que quand ils m'ont confié quelque chose et que je m'en saisis et que ça porte ses fruits, bien sûr, je les vois satisfaits de ce qui s'est passé et ça me fait plaisir, même si je ne l'ai pas fait uniquement pour leur faire plaisir. Et alors parfois, ils le savent, je suis très exigeante. Ça, par contre, c'est la contrepartie peut-être de ma proximité avec eux. Il y a une exigence qui, et ça, ils le savent. Et je ne transige pas de quelque manière que ce soit avec les exigences académiques. Les auditeurs seront donc avertis. Oui. J'en viens à ma dernière question, oui. Sylvie, puisqu'on a dépassé les 6 minutes en partie, mais il faut que je vous la pose. Vous avez parlé plusieurs fois de transformation. Peut-être que le mot va reparaître dans la réponse à cette question. C'est de savoir comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette grande école, l'avenir de Neoma. Ben justement, je vous ai dit que ce mot était important dans ma vie. Et j'ai choisi moi-même Neoma parce que cette transformation, elle est nourrie de la force du challenger. Hein. Un challenger a cette capacité à peut-être transformer plus vite que les leaders. Mais la transformation à Neoma, là, dans les prochains mois, les prochaines années, c'est l'international, mais de manière très, très, très développée, avec encore plus de partenaires, de parcours en lien avec l'international. Et puis surtout, et ça, j'y tiens énormément, des réponses on ne peut plus concrètes. C'est-à-dire que bon, dans les écoles, comme dans n'importe quelle institution, il y a des problèmes qui sont récurrents. Par exemple, la façon de faire un cours. Les étudiants aujourd'hui, mais je l'entends depuis des années, en ont un peu marre de voir défiler des PowerPoints et puis d'être un peu spectateur, etc. Alors ça, les écoles en sont conscientes, mais ce que j'apprécie énormément à Neoma, c'est qu'on s'empare du sujet pour y apporter des réponses concrètes, alors qui peuvent être virtuelles d'ailleurs, puisqu'on est assez en pointe sur la réalité virtuelle, mais pas que. Ce n'est pas qu'une histoire de gadgets qu'on va mettre en œuvre, etc. C'est vraiment se dire, bon, que faire le plus concrètement possible, et ce n'est pas juste le dire, c'est vraiment le faire, pour que dans une salle de cours, professeurs et étudiants prennent plaisir à se transformer mutuellement, parce que les étudiants transforment aussi leurs professeurs. Quand le professeur se met dans cette posture-là. Et donc, ça exige une co-création de valeurs, d'une certaine façon, qui m'est chère, en fait. Donc, on aura compris. Moi, je pense que je vais terminer en m'emparant aussi de ce terme concret. Voilà, ce qu'il y a de plus concret pour les auditeurs aujourd'hui, ce sera certainement le Tour de France. Voilà, ils sont en plein dedans. Et je pense qu'ils seront contents de vous avoir entendu sur ces sujets. Nous avons hâte vraiment de les accueillir avec cet esprit de famille à Neoma, et qui se traduit par une convivialité que j'apprécie énormément depuis que je suis à Neoma. Les responsables des teams admissibles de Reims et de Rouen nous en ont parlé, je mettrai les liens dans la barre d'infos, et je mettrai aussi les liens vers votre interview dans laquelle vous nous présentez les nouveautés du programme Grande École. Voilà, tout sera dans la description de ce podcast. Je vous remercie beaucoup Sylvie Jean, et je vous souhaite une belle continuation à Neoma. Merci.